Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à Saint-Jean-de-Julie pour le championnat du monde de motocross MXGP. Et on a été invité par Monster Energy. Je suis avec Guigui qui est juste là. Et on va passer un week-end de dingue. On vient d'arriver, on va aller chercher les places. Il y a le terrain qui est juste derrière moi. On a les paddocks qui sont juste ici. Je vous rappelle, je me suis blessé à l'épaule. Donc je peux pas trop l'utiliser. Mais on espère qu'on va quand même profiter pas mal. Je vous montre juste là. Regardez derrière. Ça promet d'être incroyable. Les paddocks sont énormes. Ça me fait limite penser au MotoGP tellement c'est gros. Bon, bien sûr, il n'y a pas la structure qu'il y a sur les circuits de route. Mais c'est vraiment, vraiment impressionnant. Alors là, c'est parti. On va attaquer les choses sérieuses. Patine un peu. Non, on se retrouve à la maison mère avec le gros Ford F-150. Je vais vous montrer du coup, on va faire un petit tour très très rapide. Ici demain, il y aura tous les pilotes Monster qui vont se rejoindre. Et il va y avoir, ils appellent ça une Rig Riot. Et on voit donc les pilotes qui vont tous là. Il va y avoir des autographes pour lancer plein de goodies. Là on a le DJ, on a aussi Jules. On va les servir une petite canette parce que je vous avoue qu'il fait soif. Mais il faut que le supporter
On arrive en fin de journée, je fais un petit tour dans les paddocks. Tout ça pour vous dire qu'on a eu un triplé français en EMX 250. Donc premier Stéphane Rupini, deuxième Jimmy Clocher et troisième Thibaut Bénistan. Donc ça fait bien plaisir, ça chauffe le week-end pour demain où il y aura la deuxième manche de EMX 125 et de EMX 250. Et on aura du coup les deux manches de EMX 2 et de EMX GP. Donc les 2,5 4 temps et les 4,5 4 temps, il y aura les deux manches demain matin. Ça promet d'être pas mal, il y a la manche qualif, la dernière course d'aujourd'hui, enfin la course qualificative du coup pour le MXGP qui arrive tout de suite là d'ici 10 minutes, donc on va les diriger vers le départ. Et ce sera tout. Fin de journée ici à Saint-Jean-d'Angély, donc on va aller se reposer parce qu'une grande journée nous attend demain. Comme j'ai dit au programme, on va aller du coup à Monster, il va y avoir le Rig Riot, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, avec plein de pilotes Monster, et ensuite on va aller normalement dans les écuries. Le plus de choses intéressantes, et en attendant on va faire un petit peu de repos. On a eu pas mal de routes et puis une journée pas mal éreintante. Donc voilà, rendez-vous demain. De retour à Saint-Jean-d'Angély pour la deuxième journée du coup. Il fait un petit peu moins bon, on espère qu'il va pas pleuvoir, même si ce serait intéressant de voir un peu comment devient le terrain. Et ensuite on va aller au Rig Riot, je vous en ai déjà parlé, et là ça va être vraiment, je pense, un des moments les plus intéressants de la journée, donc on perd pas de temps et on y va. J'ai la GoPro là, c'est absolument pas esthétique, mais c'est pas grave. Et voilà, il y a Billy derrière moi, on se prépare et on va vous filmer tout ça. Je pense que ça va être une expérience plutôt pas mal. J'ai jamais fait ça encore, mais ça promet d'être pas mal. Il y a plein de choses à gagner là et je pense que ça va être pas mal cool pour les gens. Il va y avoir de l'ambiance, il y a un DJ, tout ça. Franchement, ça va envoyer. Accueillir les plus gros athlètes du monde. Ils sont ici en live en France. 3, 2, 1, faites du bruit! Non, on peut faire beaucoup mieux. 3, 2, 1! Thank you.
journée a plutôt très bien commencé avec ce matin une victoire du français Tom Gouillon en EMX 125 et ensuite une deuxième victoire française avec Stéphane Rubini, donc voilà, en EMX 250 ce coup-ci, et aussi du coup le jeune Thibaut Benistan qui finit troisième. Donc voilà, là on est prêt pour le gros de la course, à savoir que là il y a les MX2 qui vont s'élancer. Après on aura du coup les deux manches des championnats du monde, donc ça promet d'être super bien. Thank you.
chez moi, voilà, je voulais vous parler un petit peu. C'est vrai que c'est un événement qui était simplement incroyable. J'ai eu vraiment de la chance d'y aller, donc merci à Monster Energy. Vous avez vu à la fin, il y a un pilote qui a sauté le saut comme aucun autre. Donc ce pilote c'est Gauthier Paulin, c'est un français et il est connu pour lancer des très gros sauts. Il est actuellement 3ème du championnat du monde, donc c'est un pilote qui est extrêmement bon, il a déjà fait vice-champion du monde quelques fois. Malheureusement ce week-end ça a été pas son week-end, voilà, il a eu quelques difficultés comme la plupart des français dans les catégories du coup MX2 et MXGP. Mais on a quand même eu du très beau spectacle du coup et c'était un événement qui valait pleinement le coup. Donc voilà, très content de avoir partagé tout ça. N'hésitez pas à aller voir aussi sur mon Instagram, j'ai mis des vidéos par rapport du coup au MXGP, donc allez voir. Et aussi j'explique pourquoi je me suis fait mal, donc voilà, un petit peu le déroulement, ce que j'ai, pendant combien de temps je dois arrêter la moto. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de profiter à moto et surtout protégez-vous parce que ça peut vous sauver la mise. Sur ce, ciao, bye et gaz.